Je m'appelle Suzanne, j'ai 85 ans. J'habite à Toulouse depuis 1985. Alors j'ai une petite anecdote pour ces débuts à la médiathèque que j'admire et que je fréquente beaucoup maintenant. C'est que je fréquentais la bibliothèque de Bonnefoy, la bibliothèque de quartier. Et dès que la construction a été prévue, est passée une pétition parce que nous ne voulions pas qu'on nous supprime notre bibliothèque de quartier. Et j'ai signé cette pétition, je crois que je n'en ai signé que deux dans ma vie. Mais après, évidemment, dès que j'ai pu venir ici, dès que la médiathèque a été ouverte, j'ai regretté. Mais c'est un lieu qui est magnifique. Et vraiment, je ne regrette pas d'y avoir mis les pieds pour la première fois. Et je crois que j'ai fréquenté la médiathèque de plus en plus. Au fur et à mesure de son évolution, au fur et à mesure des progrès, parce que 20 ans déjà, il me semble qu'il n'y a que 10 ans qu'elle a été construite, et pourtant 20 ans, il y a eu une évolution tout à fait, des progrès tout à fait positifs. Et j'en suis très heureuse de pouvoir continuer encore à la fréquenter à mon âge qui est de 85 ans. Il y a eu des évolutions très positives qui se sont intégrées au développement de la société, au développement des bibliothèques d'une façon générale. Je me souviens du silence qu'il y avait dans la médiathèque au début, et petit à petit, notamment peut-être vers 2009, la médiathèque s'est animée et j'aime beaucoup cette évolution. C'est très positif parce que c'est vivre avec son temps. Tout ce qui a été amené en plus de ce que l'on connaissait d'une bibliothèque, c'est-à-dire surtout le silence qui y est encore, mais avec tous les points forts qui ont été amenés, c'est autre chose. Le fond des documents reste le même. C'est merveilleux parce qu'à travers la médiathèque, je vois les progrès, notamment scientifiques, c'est ceux auxquels je m'attache le plus. Et vraiment, c'est un régal de venir chez vous, ici. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. Avec plaisir, comme on dit à Toulouse. Oui, bien. Et vous ? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Silvana. Je suis italienne. Oui, j'y viens régulièrement. J'y viens au dimanche, comme je vous dis. Et j'y viens quand j'ai du temps, pendant la semaine, au premier étage pour lire des magazines, des journaux.
et que je trouve très intéressant. Et le dimanche, du coup, Et le dimanche, oui, il y a le bavardage, comme je vous dis, qui réunit des personnes étrangères. Et il y a beaucoup de personnes étrangères, comme je vous dis, que j'apprends beaucoup, je connais beaucoup de personnes. J'emprunte des livres, quelquefois, j'ai lu des livres ici, sur les lieux. Sur place. Sur place. Et peu à peu, au dimanche, avec mon amie Tina, nous allons au troisième étage pour voir des films, des cinémas. Oh Tina, tu es ici. Ciao. Je ne savais pas que tu venais ici à la médiathèque aujourd'hui. Oui, je suis venue pour voir un film avec toi. J'ai vu un film qui m'intéresse. Oui. Et c'est le Fantasme. Fantasme. Oui. Je pensais que c'est un film de fantômes. Oui. En revanche, c'est un film de fantaisie. Je suis. Elle t'a plu le film? Oui. Je me souviens le film que nous avons vu dimanche dernier, avec Philippe Noiret, Annie Girardot. C'est bien. Oui. Elle parlait de la Grèce, non? Ah oui, si. Il y avait des magnifiques lieux, la mer de la Grèce, la cuisine, c'était un beau film, tu te souviens? Oui. Je viens volontiers à la médiathèque parce que c'est une belle place, une belle. Oui. Hein, et je reste volontiers à voir nous un nous film. Nous venons ensemble à dimanche, non? Oui. Nous connaissons beaucoup de personnes intéressantes, non? Oui. Les étrangers, je comprends mieux quand ils parlent en français. Oui, pour apprendre, mieux apprendre la langue, non? Mm. La langue. Et les bibliothécaires sont très sympathiques. Ils font des jeux. Ils organisent. Hein. Quand nous avons fait le jeu avec deviner l'objet, c'est très sympathique. Et chacun de nous doit deviner la. Comment s'appelle le jeu là? Je ne sais pas si c'est un nom, ce jeu, mais c'est un jeu que tu peux parler volontiers en français. Tu as moins de temps de venir à la médiathèque, non? Tu as deux enfants. De temps en temps, je viens avec mon enfant, oui. Mon petit-fils. Il est très rigolé, non? Oui. Il vient volontiers, les enfants, oui. Je les connais. Je vois beaucoup des enfants aussi à la médiathèque. C'est un lieu. Si, il vient volontiers. Oui, il y a beaucoup de livres. Pour eux, c'est en bas, non? Si, au-dessus. Hein. Je ne sais pas comment s'appelle l'étage. Non, l'étage. Le rez-de-chaussée, plus au-dessous du rez-de-chaussée, il y a pour les enfants. Si. Jean-Michel Ramos, je travaille à la médiathèque José Cabanis depuis son ouverture, à savoir depuis 20 ans. Et dès l'ouverture, donc en 2004, il y a eu dans le bâtiment la présence d'un pôle un peu particulier qu'on appelle le pôle L'œil et la lettre. C'est là où tout au départ on s'est intéressé à proposer tout un tas de documents spécifique pour l'accueil de personnes en situation d'handicap visuel. 20 ans, c'est à hauteur de l'échelle humaine, c'est une génération. Ce qui me marque dans ce métier, c'est que j'ai pu rencontrer des enfants qui ne connaissaient pas le braille, des enfants non-voyants. J'ai pu donc les accompagner à travers des propositions de lecture différentes, enfants, adolescents, adultes. Et aujourd'hui, ce sont des adultes qui travaillent et qui ont pu suivre une scolarité en milieu ordinaire et qui travaillent dans des milieux, dans des entreprises ordinaires. C'est une réussite pour qui le pôle a pu les accompagner tout au long de leur jeunesse. Alors là, je découvre Nemo, donc un personnage de Disney. Donc je vois le contour donc Nemo vu de face, le rond qui représente le contour du visage, et donc je fais tout le tour du rond, et après à l'intérieur, donc je découvre ses yeux,
et sa bouche. Donc toujours, quand on est sur une exploration d'une image qu'on appelle tactile, on va toujours découvrir à deux doigts, comme pour la lecture. Sauf que là, je suis en découverte en deux dimensions, gauche-droite, haut-bas, alors que la lecture, je suis uniquement sur une découverte de l'écriture gauche-droite. On va arriver ensuite sur des ouvrages dits adultes. Donc là, c'est un bouquin uniquement braille. Il n'y a plus d'illustration graphique. Et il faut savoir qu'un livre braille, ne serait-ce que pour transcrire un bouquin en ordinaire, par exemple, prenons Harry Potter, il va nous falloir 10 volumes ainsi pour transcrire un tome d'Harry Potter. Il y a aujourd'hui, je crois, 8 tomes, ce qui fait qu'il va falloir 80 volumes comme ça pour transcrire la totalité de Harry Potter. Quand on arrive sur les adultes, les lycéens, les universitaires, on va arriver sur de la lecture, ce qu'on va appeler lecture numérique. Là, ça va plutôt concerner les étudiants, les adultes. Ça, on va pouvoir y mettre des livres, prendre des notes quand on est étudiant, et ainsi avoir une lecture séquentielle de 40 caractères par 40 caractères. José Cabanis, depuis une bonne dizaine d'années, voire plus. Ça fait 20 ans que je travaille en bibliothèque, mais ça fait au moins 10 ans que je suis en actu. Vous avez fait des rencontres qui vous ont marqué? Oui, enfin, plein. Avec des profils différents? Avec tous les profils. Nous, la chance qu'on a en actualité, c'est qu'on accueille tous les publics. On essaye d'éviter dans n'importe quelle condition, mais en gros, on a beaucoup de retraités, de gens qui arrivent, qui habitent dans le quartier, de séjourneurs, SDF, des gens qui traînent à la gare, on a de tout. Et ça a évolué au fur et à mesure des années? Le public est un peu différent depuis les... Non, c'est pas qu'il évolue, c'est à peu près le même. C'est pas les mêmes personnes, mais c'est les mêmes conditions. Donc j'avais toujours des SDF parce que nous sommes collés à la gare. Mais à la limite, je dirais que c'est un des publics que je préfère, moi, pour le coup. Ce qui est difficile en actu, c'est quand tu vois tomber des gens. Par exemple, un mec qui tombe au chômage, petit à petit, tu vois tomber en dépression. Et en fait, tu vois tomber vraiment littéralement les gens. Avec un peu de chance, ils remontent ou pas. Et comme perso, je vais pas travailler dans l'associatif, que je vais pas les prendre sur mon canapé pour les loger, etc. C'est hyper difficile. Parce que ça, nous, toute la misère de monde, elle vient à la bibliothèque. Et voilà, mon rôle, c'est pas d'avoir pitié d'eux, c'est de les accueillir en tant que personnes qui, pendant le moment où ils sont là, sont comme tout le monde. Mais ça t'empêche pas de pas voir. Dans la vie, tu perds un enfant, tu divorces, tu te retrouves... Enfin, tu vois. Moi, j'accepte pas tout, j'aime pas qu'on me parle mal. Tout ça, je me laisse jamais faire. Par contre, je suis toujours consciente que n'importe qui qui a pas de famille derrière lui, peut tomber en 5 minutes, quoi. Et quand je vois des gens me dire « Ah, nana, il dort et tout », mais toi, tu dors pas de ta nuit, et bien sûr, tu viens venir dormir ici. Ça veut pas dire que j'accepte tout. Enfin, tu vois, la distinction, c'est que je n'accepte même rien qui soit en décalé. Par contre, je sais toujours que tu peux pas juger les gens parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'ils sont, enfin pourquoi ils sont là. Et tu tombes tellement vite en fait, s'il n'y a personne pour te rattraper. Et là, nous, ce qui nous arrive à l'heure actuelle, mais pour toutes les bibliothèques, ça va être pareil partout, c'était la fameuse fracture numérique. Donc là, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas servir d'un ordinateur, ou un tout petit peu, et qui doivent faire toute leur démarche dessus. Les impôts, la CAF, enfin, Pôle emploi ou France, je sais pas quoi, ou France Travail, peu importe. Putain, mais c'est une violence, ce truc. Enfin, c'est un vrai souci, là, ce qui se passe, moi, je trouve, avec la fracture numérique. Et je pense que le rôle de la bibliothèque, ce sera aussi d'accompagner les gens, au moins sur les bases de l'informatique, pour les aider à... Voilà, c'est vers ça qu'on va aller. Parce que le livre, c'est super, mais on va les prêter...
Mais en fait, on reste un des derniers lieux accessibles qui est gratuit, qui est ouvert à tous. À partir du moment où tu te comportes à peu près correctement, il n'y a pas de restriction. Nous, on accueille tous les publics. Elle avait sa première nounou qui habitait juste à côté, et moi ma tante travaillait pour la métropole, donc voilà, on est venu au début prendre des livres ici pour se familiariser avec la ville, et puis aussi pour s'occuper un peu le week-end avec Anouk. On a la médiathèque qui vient dans notre quartier sous forme d'un bibliobus, donc on va prendre des livres de temps en temps au bibliobus. Là, on venait les rendre justement, et puis on est ici aussi pour écouter les livres sonores. Parce que j'aime bien écouter les livres. On reste toujours au département, enfin au rayon jeunesse, voilà, pour les livres sonores, pour emprunter quelques livres. Il y a déjà un choix tellement énorme en bas que. On a pas, je ne saurais même pas dire ce qu'il y a dans les étages, en fait, à vrai dire. Celle-là, je l'aime bien parce que à l'école, je l'ai dans la chanson et elle me plaît bien, cette chanson. C'est une histoire de chat. Qu'est-ce qu'il fait, ce chat? Il se cache. Ah. Et je sais comment ça s'appelle. Ça s'appelle chat caché. On y va? Merci beaucoup. Merci à vous. Et au revoir. Tu m'entends ? Je vous dérange ? Ouais. Vous travaillez ici ? Ouais, c'est ça, ouais. Je peux vous aider en quoi ? Je cherche un livre. Ah, okay. Qu'est-ce que vous cherchez comme livre exactement ? Le 20 ans après d'Alexandre Dumas. 20 ans après. Là, viens avec moi. Thank you.
Est-ce que tu sais pas, le maire de Pouille n'est pas là? On va voir en haut? Yes. Ah, ça y est, enfin, Alexandre Dumas, 20 ans après. Madame? Oui. Non, pas vous. Ça y est, j'ai retrouvé le livre. Et voilà, 20 ans après. Merci. Je viens de la nuit, comme un souvenir du futur, parsemé d'illusions, de traces, de désirs, une carte du ciel sur les façades ardues, un labyrinthe du retour au perpétuel ailleurs. Il faut que je trouve, avant qu'un autre le trouve. Les temps du gaspillage et de l'opulence étaient révolus. Il avait fallu s'y résoudre. Abandonner de vaines occupations, de vaines habitudes. Et puis, peu à peu, le souvenir même des choses anciennes s'était estompé. Pourtant, quelques vieilles obsessions, quelques vieilles nostalgies se rappelaient à certains. Les livres qu'on leur avait lus enfant, les livres qu'on leur avait prêtés, les livres qu'ils avaient achetés, les livres qu'ils avaient perdus, les livres qu'ils avaient offerts, les livres qu'ils avaient annotés, les livres, tous les livres. Le livre. Thank you.
Et vivre. Tengo la otra mitad. Tranquilo. Thank you.